Un coup de cœur. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Reprise de l'audience. The court is now in session. La chambre va à présent donner la parole the chamber aux avocats principaux afin qu'ils puissent interroger le témoin. To allez-y, maître Akhenaten. Merci, Monsieur le Président. J'ai une remarque, une question, une incitation, je ne sais pas exactement comment l'appeler. C'est à la suite de l'observation qui a été faite par M. le juge Lavergne, qui indiquait au parti qu'il existait, sous la forme d'une communication, une constitution de partie civile de ce témoin dans le dossier 4. Et je me demandais si la suite logique de cette observation n'était pas que votre chambre, d'office, décide du versement en preuve de ce document. C'est vrai que les procureurs, par l'intermédiaire de M. Lysak, avaient annoncé qu'ils le feraient, mais ce témoin est programmé plus tôt qu'il n'avait été annoncé. C'est peut-être pour cette raison que ça n'a pas été fait, je l'ignore. En tout cas, c'est une déclaration antérieure du témoin. Personnellement, je dois dire que je n'ai pas eu le temps, puisque ce témoin arrive à la barre de façon impromptue, de préparer suffisamment et notamment de m'attacher à lire avec la plus grande attention cette déposition de partie civile, cette constitution de partie civile. Mais en tout cas, je me dis que la logique voudrait probablement que ce soit d'office que votre chambre la dépose en preuve. Voilà la remarque. Should admit this document to evidence. That is the remark présente. I would like to make regarding that quotation. Le procureur, je n'ai pas du tout entendu l'interprétation vers l'un. However, just so the record is clear, I just want the record to be clear that the document is available to all the parties. It has been disclosed. I don't actually know whether it's been admitted yet, but we certainly have no objection to it being admitted. Mais nous n'avons aucune objection pour que ce document soit versé. Le président, je ne suis pas sûr de cela. I am not sure about that. Vous communiquez le document et vous n'avez d'objection pour que ce document soit versé au dossier. Disclose the document donc and you didn't object to the admission of the document, document into evidence. Correspond seulement so à une transparence. Disclosing the document, c'est-à-dire pour qu'un document soit susceptible d'être débattu, il faut que les parties soient claires, parce que c'est ambigu. J'aimerais attirer votre attention sur ce problème. And that is why from the very outset, I would like to draw your attention Maître to that problem. Verken, Mr. Verken, donc le document soulevé par le juge Lavergne the document referred to by Judge Lavergne was given an E319/125. Donc le document a été classé E3 et je so ne comprends that pas. Document is on record. À quel degré de recevabilité ce document se trouve à l'heure actuelle parce que at which level of admissibility that document is. Nous avons émis déjà des instructions précises concernant la présentation de documents, la communication de documents, the disclosure of documents. Et cela conformément à and des that is,
jurisprudence internationale. Et nous avons bien précisé qu'il s'agit tout simplement d'une communication de documents. Et pour que le document soit débattu, il fallait des demandes formulées par des parties, des parties et l'acceptation de des parties. To that de la effect. Chambre. Et donc, les débats concernant ce genre de documents are necessary. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est bien la raison pour laquelle j'ai soulevé ce point en rappelant au jour d'aujourd'hui, malgré l'annonce qui a été faite par Monsieur Lizak, lorsqu'il avait versé, je crois, une cinquantaine de constitutions de partie civile il y a quelques semaines. Il avait à ce moment-là annoncé que ces documents ne contenaient pas d'éléments vraiment très importants, sauf peut-être la constitution de partie civile de monsieur, qui ferait peut-être, disait monsieur Lizak à l'époque, l'objet d'une demande de versement en preuve. Aujourd'hui, ce monsieur comparaît. Il n'y a pas eu de demande de versement en preuve de sa constitution de partie civile, malgré l'annonce qu'en avait faite M. Lizak. Je constate que ni les parties civiles, ni le procureur n'a indiqué, porté mention de ce document sur leur liste préalable à la comparution de ce monsieur. List of documents vous peut-être prior to the appearance of this witness. Ça m'a échappé. Quoi qu'il en soit, à ce jour, il n'existe pas de demande. Moi, je ne me sens pas du tout. Je n'ai pas eu le temps, donc je ne formule pas cette demande, mais je constate que personne ne la formule. Je constate the application because que M. le juge Lavergne rappelle que ce document existe, que c'est une déposition antérieure du témoin. Alors je me dis, c'est peut-être ça qui n'a pas été traduit. Supplemental qui fait que statement vous n'avez by pas the witness, saisi, and I note that has not est-ce que that votre has chambre been ne devrait pas d'office spontanément should your chamber déposer not ce document, spontaneously recevoir ce document en preuve? Have this document admitted into evidence, admitted and received into evidence. Merci, Monsieur le Président. Si je peux apporter mes observations. May I make some remarks? Les documents ont été divulgués. Nous en avons pris connaissance comme les deux équipes de défense. Il semble que la pratique est la suivante. Les documents sont divulgués à la disposition des parties dans un répertoire électronique auquel toutes les parties ont accès. Nous avons la possibilité d'utiliser ces documents et d'ailleurs, de notre côté, nous avons mis ces documents dans l'interface hier pour donner notice aux parties que nous allions utiliser ces documents. Il nous appartiendra à un stade ultérieur de décider si ces documents feront l'objet d'une requête formelle au titre de l'article 87.4. Mais il me semble que depuis le début de ce processus de divulgation, il y a une divulgation des procureurs, les parties ont la possibilité d'utiliser ces documents en audience et le cas échéant, toutes les parties ont la possibilité de déposer des requêtes 87.4. Mais je me souviens de très nombreux exemples où la défense a également utilisé des PV d'audition qui ont été divulgués par le procureur et ensuite utilisé par la défense en audience, alors même que la défense n'avait pas formulé de requête explicite au titre de l'article de la règle 87.4. Donc nous avons simplement suivi ce qui nous semblait être la pratique actuelle devant la Chambre. Nous avons indiqué aux autres parties que nous souhaitions utiliser ces documents, mais nous avons matériellement nous n'avons pas eu matériellement le temps de déposer une requête 87.4. J'espère avoir répondu aux questions de notre confrère. Pas vraiment, parce que d'abord, sur l'accusation voilée que vous avez formulée d'utilisation par la défense de documents qui n'auraient pas été validés auparavant, je la conteste, je ne crois pas que vous ayez contesté cela jamais. Et à mon sens, il faut une demande 87.4. Avant de pouvoir utiliser un document d'audience. Si je peux répondre, il ne s'agit absolument pas d'une accusation voilée. J'explique simplement la pratique qui a été mise en place et respectée et utilisée, me semble-t-il, par toutes les parties défense
procureur, partie civile, de la même manière. Donc il ne s'agit absolument pas d'une pratique ou d'une dénonciation d'une accusation voilée. Il me semblait simplement donner ma position à la Chambre sur ce que je considère être la pratique actuelle et respectée, me semble-t-il, par toutes les parties depuis le début de ce procès. Should apply to all the parties to this trial.
La Chambre donne la parole au juge Lavergne afin qu'il apporte des clarifications au maître Verken. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, la Chambre a évidemment conscience que les documents en question concernant la condition de partie civile de M. Tagui ont été rendus disponibles à toutes les parties. La Chambre est aussi informée que les parties civiles, les co-avocats principaux pour les parties civiles, entendent utiliser ce document dans le cadre de l'interrogatoire de M. Tagui. Dans la mesure où la Chambre aussi comprend qu'aucune des parties n'entend soulever d'objection à l'utilisation de ce nouveau document, si je me trompe, il faut me le dire tout de suite, mais je ne pense pas qu'il y ait d'objection. Donc la Chambre considère que le document est recevable et qu'il est versé au dossier. Donc il pourrait être utilisé en tant que nouveau document. Il n'y aura pas besoin de formuler à ce sujet une requête sur le fondement de l'arrêt 87-4. La décision d'admission est prise ici à l'audience. Et d'ailleurs, c'est la pratique non suivie depuis un certain temps, à savoir que quand les parties entendent utiliser un nouveau document, les autres parties en sont informées que cette utilisation se fait à l'audience sans aucune objection des parties, le document est considéré comme ayant été reçu. Voilà, j'espère que ceci clarifie la situation. Je précise toutefois que la communication d'un très grand nombre de conditions de partie civile soulève un certain nombre de difficultés et que la Chambre se penchera sur cette question et en informera les parties. Le Président, merci beaucoup, Monsieur le Juge. La parole est aux avocats principaux. I now give the floor to the lead co-lawyer of the civil parties. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le Témoin. Je vais poursuivre mon interrogatoire. Mr. Witness, I will proceed with my examination. J'aimerais évoquer la question de rations alimentaires. I would like us to talk about the issue of food rations at Trapiang Tamar. Quelles étaient les rations alimentaires sur ce chantier? What food rations did you receive at that work site? Réponse. Answer. Je ne sais pas comment il distribuait des aliments, mais il y avait suffisamment de nourriture. Les gens avaient du mal à manger ou ne mangeaient pas bien parce que tout le monde avait sommeil. Question. Quels étaient les éléments attribués ou distribués aux travailleurs? Est-ce qu'il s'agissait de la soupe de riz clair ou du riz normal? Réponse, il y avait des cuisiniers qui faisaient à manger et qui distribuaient ces aliments. Question. Pourriez-vous préciser, il s'agissait de la soupe de riz clair ou parfois on distribuait aussi du riz nature quand vous travailliez à Trapiang Tamar? Réponse, on mangeait du riz nature. Answer, we ate ordinary rice. On avait suffisamment à manger pour pouvoir ériger la digue. Question concernant l'hygiène, est-ce que les plats, la nourriture étaient bien protégés ou couverts pour les travailleurs? Réponse. Answer.
Il n'y avait pas de protection de la nourriture. The food was not protected. La nourriture était souvent à l'air, donc elle était exposed, grouillée de mouches. And therefore, merci. Covered question. By flies. Question. Thank you. Avez-vous entendu des membres de votre groupe se plaindre du manque de nourriture ou du fait qu'ils ne mangeaient pas assez? Of food, or the fact that they did not eat enough. Réponse. Answer. Non, personne ne se plaignait. No one complained. Mais le problème était que tout le monde avait sommeil. Et ne dormait pas assez, donc on ne mangeait pas sleepy. Bien. We weren't sleeping enough, so we did not eat enough either. Question, merci. Question. Donc vous dites Thank que you. Les gens ne mangeaient bien so parce qu'ils manquaient de sommeil. Did not eat well because avez-vous observé que certains de votre unité étaient tombés malades? Note cause that any members of your unit fell sick out of physical exhaustion? Réponse. Answer. De constat, regarding what I was able to observe. Some people had diarrhea. Il faisait chaud et it ils mangeaient hot, de l'eau sale. Ils buvaient de l'eau sale, donc ils dirty water, sont tombés malades et and envoyés so à des hôpitaux. And were sent to hospitals. Je ne sais pas où ils étaient envoyés exactement. On disait exactly à l'hôpital, mais they je ne used to sais say pas they où were sent to exactement. But I do not know where exactly. Quand des membres de l'unité mobile tombé malade, when y avait-il un personnel permanent qui assurait la permanence sur place, qui distribuait et qui distribuait des médicaments? Workers permanently on the réponse, site who distributed medicines il y avait un personnel médical qui assurait la permanence, mais il avait seulement des remèdes traditionnels duty, à base de racines. What they had was mostly traditional weapons made. Voilà, donc quand on avait la diarrhée ou de la fièvre, il donnait ses médicaments à base de racines. Je ne sais pas comment on préparait ces médicaments, mais c'est comprimé et de couleur marron, of a brownish color. Quand vous dites médecin, personnel When médical, est-ce que ces gens-là avaient reçu une formation do you know whether appropriée, those persons adéquate? Had received appropriate, adequate training? Réponse. Answer. Le personnel médical affecté à ces unités n'avait pas fait d'études, mais on les appelait membres du personnel médical et les malades devaient aller recevoir des médicaments à des hôpitaux et à l'époque on dit médicaments de crotte lapin et c'était pour se soigner la diarrhée. Rabbit pellets. Question. And they were used to treat diarrhea. Toujours s'agissant Still, des maladies, avez-vous observé ou vu des gens mourir de maladies ou d'épuisement physique ou de diarrhée? Illness, réponse, exhaustion or diarrhea. Ceux qui étaient malades Answer, étaient envoyés en haut et je ne savais pas où exactement. Je ne savais pas s'ils mouraient. Sent je ne savais pas somewhere. Si après. I don't know whether pas une fois guéris, died. Ils I don't ont know they were treated. Puis les unités mobiles pour habiter ou regagner leur coopérative respective. Question, merci. J'aimerais vous poser des questions question. Concernant les Thank accidents you. Au travail. Like to put a few questions vu to you regarding ou entendu dire occupational que des membres accidents. Des unités mobiles Did you know or see any members of the se sont blessés durant le travail who were injured during the work they were doing?
in the course of réponse, non, their work? Answer, never. Merci. Question? Thank you. Le travail sur le chantier de barrage de Trapiantmort nécessite-t-il des machines ou tout simplement des forces humaines? The use of equipment or réponse. Such work entailed only manual labor without any equipment. Answer. Il n'y avait pas de machinerie et tout était fait à la main. All the work donc il fallait manually. Porter de la terre ou Since creuser de la terre we had to do was to dig the earth and to carry it ourselves. Merci. J'aimerais passer à un autre sujet. I would like also to talk about another subject. Dans votre unité, avez-vous entendu dire ou parler des arrestations ou des disparitions sur le chantier de barrage de Trapiantmort? On the Trapiantmort dam work site, or did you witness such arrests with your own eyes? Réponse. Answer. Les chefs de bataillon ont dit que Tabal avait été arrêté, mais je n'étais pas témoin oculaire. Donc c'était mes supérieurs qui m'avaient dit que Tabal avait été arrêté. Question. En fait, ma question ne portait pas sur l'arrestation de Tabal. J'aimerais savoir si les travailleurs de votre unité avaient été arrêtés ou vous avez entendu parler des arrestations des membres de votre unité. Réponse, non, dans mon unité, personne n'a été arrêté. In my unit, no one was arrested. Question. Question. Avez-vous vu ou quelqu'un vous a dit did you see que with your own eyes, ceux qui avaient des liens avec le Vietnam avaient été arrêtés et emmenés? Somehow related to Vietnam or had links with Vietnam was arrested and led away. Réponse. Answer. Je n'étais pas encore intégré à l'unité du secteur, mais dans les villages, s'il y avait des Chinois, des Sino-Khmer ou des Khmer vietnamiens, à l'époque avaient été arrêtés et emmenés par des soldats. They would be arrested voilà tout ce que j'ai su. That is all I was question. Able to find out. Tout à l'heure, vous avez dit que Tabal avait été arrêté. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles étaient ses responsabilités, ses fonctions, son statut? What his position was. Réponse. Answer. Il était chef de des unités mobiles du secteur. The chief of a mobile je ne sais unit pas, from the je ne connaissais pas son statut exact, mais il exact position, était responsable des unités mobiles du secteur. Mobile question, vous avez dit qu'il avait été arrêté. Question, you said qui that he had been arrested. L'a arrêté? Who arrested him? Réponse, answer. Non, je ne sais pas qui no, l'a arrêté, mais les chefs de bataillon m'ont dit qu'il avait été arrêté. He had been arrested. Tout ce qui est à ma portée. Question. Question. Concernant les Now, regarding sites d'exécution des the fosses, execution sites and the pits, est-ce que quelqu'un vous a dit, indiqué des endroits ou parlé point, des endroits où il y a eu des exécutions? You places where executions occurred? Réponse. Answer. Pourriez-vous préciser votre question, maître? Quelle fosse? Answer. Which pits? Question. Je faisais référence aux fosses où étaient enterrés des membres des unités mobiles qui avaient été emmenés. Saviez-vous qu'il y avait à l'époque des fosses you know qui n'étaient pas, qui étaient à proximité de Trapiantmort? Réponse, oui, il y en avait answer, sur la crête de la digue même, il y en avait. Et dans the dam itself, le barrage même, il y en avait.
À l'époque, on creusait de la terre par le biais des pioches et on les enterrait. Ils ont été tués, on ne sait pas pour quelle cause, quelle raison. They were killed, et quand on transportait de la terre à la palanche pour ériger la digue, on est tombé sur des cadavres. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des cadavres. Question, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y en avait beaucoup. Answer. There were bodies at the bottom of the dam and also on il y avait des the corps crest au bas of the dam and also in the fields. La crête and the bodies were covered with the soil and dirt. While people were plowing, they would find out that there were bodies covered in the field. I do not know how many bodies were there. Question concerning forced marriage. Were you aware of any marriage at that time? Did question. You attend the marriage ceremony? Sur le sujet des mariages forcés, avez-vous vu s'il y a eu des mariages? Answer. Avez-vous participé à des cérémonies de mariage? Réponse. The marriage was not actually forced. Ce n'était pas forcé. The couple agreed to marry one another, after which they were required to hold each other hand and make a resolution. Question. You said that the marriage was not forced. Did the marriage arranged by the unit chief or did the couple voluntarily agree to marry at the time? Et où est-ce que le couple voulait se marier? Answer. Réponse. Normally, the couple selected their own destiny or future spouses. Enfin, les mariés se choisissaient. For example, a man would propose a woman at that time. After that, the marriage would be held for them. And as for marriage, et on organisait un mariage. Usually there were many couples. Et en général, 50 lors des cérémonies de mariage, il y avait beaucoup de couples, une cinquantaine you de couples. You stated that there were 50 couples in one marriage. Did you personally attend the marriage ceremony at that time? Avez-vous participé à une telle cérémonie de mariage? Answer. Réponse. I was invited to be a guest at that time in the marriage ceremony where the couples were required to hold each other hand and make a resolution. Question. Did you observe that parents from both sides, I mean the bride and groom, attended the wedding? Les parents avaient-ils participé? Answer. No. Réponse. Non. Only the candidates, that is the couples, were at the venue. Ou les couples. Their parents were not there. Leurs parents étaient absents. Question concerning religion. Question au sujet de la religion. When people died, were rituals décédés, allowed to be held? Rituels? Avait-on le droit de answer les talking rites, about les rituels. Buddhism? Réponse. Aja would not be invited dans le contexte du bouddhisme, on n'invitait pas l'Aja attend the funeral and monks were not invited to preach the sermon at that time. De moines question, pour what about pagodas? Question. Were there any monks des pagodes? In pagodas? Avait-il des moines dans les pagodes? Answer. Réponse. No monks in non. The pagoda. Il n'y avait pas de moines dans les pagodes. Pagoda was turned to be a on workshop to produce traditional medicine counsel. Thank you. This is my last question, Mr. Witness. I would like to ask you, when you were working at Trappeng Tmor Dam work site, did you du ever participate in the welcome ceremony of visitors of the Democratic Cambodia. Answer, I once attended the meeting where Cheng Yingkui was Cheng Yingkui present
at Trapiangtmo worksite. Au barrage de Trapiangtmo. Question. At that time, did leaders from the center et donc, à cette occasion, or from les dirigeants du centre other places attend ou d'autres the endroits meeting sont-ils where venus participer the Chinese à cette réunion où il y avait there? Une délégation chinoise? Answer. Réponse. I do not know about je that. Ne sais pas. There were around 20 vehicles coming to the site. And people in vehicles were wearing black trousers, white shirts. I was young at that time. Blanches. I do not mais j'étais jeune à l'époque, quite sure at that time. And I was vraiment told that Chang Yong-kui was visiting the site and a film about visite. The work in China, work conducted in China was projected for et all of us. Projeté aussi Mr. President, I would like to see the floor for my colleague. President, you may now proceed. Civil Party lawyer. My name is Pek Ong. Good morning, Mr. President. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. I have a few questions in relation to working hours. You provided your answers to lawyer Ban Bo that you started work from 7 a.m. to 11 a.m. in the morning, and you also mentioned about the afternoon shift. Pour ensuite reprendre le travail en après-midi. I would like you to make a clarification regarding members of your mobile unit and members of other mobile je units. Que vous apportiez quelques précisions did à propos members des of other units start their work at the same time as your members? Les autres unités avaient-elles les mêmes heures de travail que la vôtre? Réponse. When we were working at the dam work site, that is digging the quand earth to build the dam, au we started barrage, work nous from pour, 7 a.m. until 11 a.m. in the morning. This shift consisted of only the people who had night blindness. Ce quart de travail, and pour there ceux was qui night shift, which consisted of people who did not have night blindness. Qui n'avaient pas de problème de vue la nuit. Lawyer, did question. Anyone go to work before 7 a.m. in the morning? Y avait-il des gens qui allaient travailler avant 7 heures le matin? Answer, no, réponse. We had non. To be on time when it was il time to work, we had to be there and work. Nous devions aller travailler quand c'était le temps d'aller travailler. Lawyer, are you question. Referring to members of your own unit or are you parlez-vous talking about other people from different units? D'autres unités. Answer, I réponse. Am talking about members of my unit. So we lived and worked in different places, mais and I do not know about them, but we had the same work to do, ailleurs. To my recollection. Mais d'après mes souvenirs, nous counsel, avions les mêmes I have horaires de travail. One more topic to cover. Maître Picon, j'ai un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous. You stated that bodies were buried on vous the dam itself and also que des corps at the base of the dam, the dam. Ou enterrés dans did le barrage et sur la, à la base the du barrage. Avez-vous in vu those pits les cadavres dans ces fosses? And were there many bodies? Y en avait-il beaucoup? Answer. Réponse. I did not witness the corpses. Je n'ai pas vu les cadavres. While I was carrying dirt by using the earth-carrying basket, the soil was soft, and I could j'ai understand that there were bodies covered with the dirt below the soil. And there were many pits. There were many pits somewhere when we went to relieve ourselves. Lawyer, you stated the soil was soft while you were walking on it. What did you mean by that? By that, I can say that normally the earth that we dumped on one particular place was solid. Réponse.
But some places were soft while we were stepping on, and we could understand that there was something in below it. Lawyer, the soft soil you said, you mentioned, the soil, was it soft because of the rain? La terre était-elle meuble à raison de la pluie? Or the soil, what did you mean by saying the soil was soft que while stepping on it? Par le fait que la terre semblait Answer. Meuble quand vous marchiez dessus. It was Réponse. In the rainy season at that time. C'était pendant la période It was de in the dry season. The earth that Donc we dug was really hard and solid. And how could it, Donc la terre you était know, très dure. Was soft Comment when we dumped it on the specific on, places? Marché. Lawyer, endroits. You made mention about pits a while ago. Vous avez parlé de fosses. Could you describe the pits? Pouvez-vous les décrire? How large was it? And how deep was it? Leur profondeur. Answer. Réponse. They were not big pits. Ce n'était pas de The body de grandes, of corpse de très grosses fosses. Would not bury deep in the earth, and when the Les body of corpse decomposed, pas, and we could see the soil or the surface of the earth becoming splitting from face, que la, le each sol other. Lawyer, you made mention about the soft soil while working, and you stepped on the soft Question. Soil, and you Vous said that there were corpses under it. Could you expand a little bit on this fact? Pouvez-vous nous Answer. Expliquer I witnessed one corpse ce que vous voulez dire. Réponse. At one time that I was working and carrying earth, and I could see that there were other corpses under the earth. De la terre et j'ai pu voir qu'il y avait des cadavres sous la terre. Lawyer, you stated that the bodies, there were decomposed bodies under the ground and you could have the smell corps from the body of corpse. So what smell was it? Answer. The smell The odor could be smelled in the open air. Oui, on pouvait en effet sentir l'odeur de la décomposition. And while I was dumping the earth at the Et base of the dam, there was no odor smelled. But barrage, when d'odeur. We went to relieve ourselves, we besoins, could smell the decomposed bodies. Sentir l'odeur de Lawyer, la you stated that Question. The body was covered. Was buried in the field. Did you Dites witness there were many bodies buried Avez-vous in the open s'il field? Y en avait beaucoup? De cadavres? Answer. Réponse. Many corpses were buried at the dam of at the base of the dam. Beaucoup de when corps we ont été were walking à la base close du barrage. To the base of the dam, Et lorsque que nous étions then we could smell. Au pied du barrage, nous pouvions sentir l'odeur. And whenever we went to relieve ourselves Et aussi lorsque nous allions faire somewhere in the, you know, close to the forest, we could see the decomposed body under the ground. On pouvait voir des corps décomposés. Lawyer, this is my last question, Mr. Witness. You Maître made Pico. Mention about Ce the open field. Vous parlez de champs. À l'air libre. That you witnessed, you saw bodies. Vous dites que vous avez vu des cadavres. Was the open field within the compound of the dam work site? Était-ce à l'intérieur de l'enceinte du barrage? Answer. Réponse. It was. Also, it was within the compound of the dam site, C'était and
The open theater was also located outside the dam compound. Aussi à l'extérieur. Mr. Pei-ong, thank you, Mr. President. We would like to seek the floor for the international co-prosecutor. Co-procureur international. President, thank le you. Président. Merci. The chamber now gives the floor to the co-prosecutor to put questions to this witness. You may now proceed. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mr. Witness, to start with, are you able to give us any estimate of the time that you were at the Trappes-Benguetement dam work site? Perhaps the month and year you arrived and the month and year you departed, la durée de votre if you're able. Séjour au barrage de Trappes-Benguetement, donc si possible, le mois et l'année de votre arrivée et le mois et l'année de votre départ. Réponse. Answer. I cannot recall it well because it happened a long time ago. C'était il y a bien longtemps. Question. Now you mentioned being in a mobile unit before going to the Trappes-Benguetement dam work site. The mobile unit you were in at the Trappes-Benguetement dam work site, was that associated with a district, a sub-district, a sector? What kind of mobile unit was it? Alors que vous étiez au barrage, était-elle rattachée à un district, à un secteur? Réponse. Answer. Before I became part of a mobile unit, I was avant d'intégrer une unité mobile, assigned to work in a cooperative on avait envoyé travailler dans une coopérative. Village or sangkat. Dans un sangkat. I think you mentioned question. Previously that your je pense que vous avez déjà dit your work your deployment to the Trappes-Benguetement dam work site was involuntary. Can you tell us a bit more the story about how you were selected for the unit and how you were deployed to the work site? Et comment vous a envoyé travailler au chantier? Réponse. Answer. The work was not voluntary. Non, ce n'était pas. Male and female youths were separated from parents and n'avions pas choisi d'y work in a mobile unit. Les hommes et les femmes ont été séparés de leurs parents et ont été envoyés travailler dans une unité mobile. I want to read you something from your statement to DC CAM and ask you if you can expand on it for us a little bit. And for reference, this is document number D366. Actually, now it has an E3 number. It is E3/7968. The English page number is 00726128. Khmer 00577497749 to 50 and French 00743261. So you were asked if you joined on a voluntary basis, and you said, quote, no, I was selected. They required us to go. And then a bit later, they would point us out who would go. They distributed the new recruits and collected to their respectively targets, and we had to follow them with mixed feelings whether we were going to die or survive. We were full of fears when they first came to collect us. Only upon arrival at the work site were we equipped with hoes and spades and knew we would survive. So my question is, why did you have doubts about your potential survival at the time that you were being collected and sent to the work site? What made you doubt that you would survive, or at least question whether you would survive? Pourquoi vous posiez-vous la question si vous alliez pouvoir survivre? Réponse. Answer. We were
selected and sent to the work site. After we arrived at the place, we were divided into units, and I was part of a platoon. At that time, we were given with the earth carrying baskets, and I was instructed to build a dam. Et on m'a dit d'aller construire un barrage. In the quote that I just read, it seemed that you expressed that you were feeling some fear at the time you were placed in this mobile unit and deployed to the dam work site. Do you remember that? Vous en souvenez-vous? But answer. I was full of fear at the time because I had a link to political tendency as I was a former soldier, and if it was found out, I would be taken away and killed. This was my fear. When you were answering questions from the lawyers for the civil parties, you mentioned a person named Taval. Can you tell us what his position was at the work site, as you understand it? Quel était son poste sur le site, d'après ce que vous saviez? But answer. Réponse. Taval had an overall supervision over a Trappes-Montmartre dam work site. Du chantier, du barrage de Trappes-Montmartre. Okay, thank you. Le procureur, merci. You told us that you were a platoon commander, vous avez dit que vous étiez and chef I want to section. Ask you a few questions now about Je the hierarchy in your mobile unit. La hiérarchie au sein can you tell us what level of organization was immediately above a platoon? Quel était le niveau directement supérieur à la section? Below the platoons, there were squads or groups, and within the group, there were members. Et au sein du groupe, il y avait des membres. Okay, so that's below the platoon. Can you tell us now above the platoon? What was the next level above the platoon? Réponse. Above the platoon, it was a company, and above a company, battalion. Au-dessus de la section, il y avait la compagnie, et au-dessus de celle-ci, and le bataillon. And Dawald had overall supervision over battalions. L'autorité générale. Okay, so starting. Well, first of all, do you remember the name of your company commander, your immediate superior? Du nom de votre supérieur immédiat, de commandant de la compagnie. Man. Réponse. Answer. Above platoon, it was de la section, company. C'était la compagnie. And chief of company was Pickman. Le chef de la compagnie, c'était Pickman. Passed away perhaps 10 years ago, and above company, au-dessus du niveau de la battalion, Mitbo, chief of battalion, était le chef du bataillon. Mitbo had been arrested. Avait été he arrêté. Was deceased. Il est mort. Okay, so question. Would you provide information to Pickman, your company commander? And if so, what kinds Pickman of information would you provide to him? De compagnie, et le cas échéant, quel type d'information lui relayez-vous? Pickman was the chief of a company. Chef de compagnie. And chief of company would be in charge of three platoons. Les chefs de compagnie géraient trois sections. Was deceased. Pickman est décédé. So, question. As a platoon commander, would you speak to him on a daily basis chef de section, and tell him avec lui information such as number of workers, amount of work des informations completed, sur, or did that not happen? La quantité de travail qui avait été achevé, le nombre de travailleurs, etc. Ou est-ce que ça n'a pas été le cas? But réponse. Answer.
when we broke after work at 5 Lorsque p.m. on arrêtait de travailler we had to make a report to chief of company au chef de la compagnie and we would do the calculation of the work that we completed by the end of the day and put in the report sent to chief of company. Et c'était mis dans un rapport qui était envoyé au chef de compagnie. And would the chief of company give you any instructions? Et le chef de compagnie vous donnait-il des instructions? But answer. Réponse. No instruction, but non, we were advised to be hardworking. And I was instructed that there should be no ones from my unit that avoided the work. Otherwise, they would be, they would disappear. Sinon, ils disparaîtraient. And who told you that if someone from your unit avoided work, they would disappear? Who said that to you? Travail, ils allaient disparaître au sein de votre unité. Answer, it was Comrade Bo, chief of battalion. Chef de bataillon. Do you remember where you were or who you were with when he told you this? Souvenez-vous où vous étiez ou avec qui vous étiez quand il vous l'a dit? Réponse. Answer. No. During that time, it was when I went to see him and submit the report verbally of the work that my group accomplished by the end of the day. So the terms that were used, that you've mentioned, platoon, company, and battalion, are military terms. Do you know why those terms were selected for the hierarchical levels of the Sector 5 mobile unit? Ce jargon a été retenu pour organiser la structure du travail au barrage. Réponse. Answer. I have no idea why the structure had something to do with the military. I do not know why it was like that. Je ne sais pas pourquoi. Did you ever hear the terms hard offensive or hot battlefield used to describe the Trapeang Tamah Dam work site? Offensive dure ou champ de bataille chaud pour décrire le chantier du barrage de Trapeang Tamah. Réponse. Answer. This was frequently mentioned. On le disait souvent, on parlait de champ de bataille chaud. The Trapeang Tamah Dam worksite and the Trapeang Tamah Dam worksite consisted of the members of the special force units. Et les travailleurs sur le chantier. And what did you understand it to mean when it was referred to as a hot battlefield? Et que compreniez-vous par champ de bataille chaud? Answer. Réponse. To my understanding, the work required us to work very hard. Travailler très très fort. If not, we would be accused of being linked to the, you know, to tendency. So I could say it was a hot battlefield. Je dirais donc qu'il s'agissait d'un champ de bataille chaud. Did you ever hear anyone compare the sacrifices made by workers at your work site with the sacrifices made by Khmer Rouge soldiers during the war against the Lon Nol regime? Réponse, non, je answer, ne savais pas. No, I did not know that. Okay, thank you. We mentioned Taval. Nous avons parlé de Taval.
Just an observation and a request to the prosecution. Where does the prosecution have this information from? D'où tenez-vous cette information? So this is E3/771. It's a Revolutionary Flag magazine from, or sorry, it's Revolutionary Youth magazine of July and August 1977. And there's a 2.5-page description of the Trapeang Tamaa Dam work site, very specific regarding dimensions, but it discusses the conditions that the workers worked in and said that they, you know, were working all day and all night in the hot sun. And it says, like the sacrifices made by our brothers during the war, they didn't complain. I don't have the precise ERN page numbers now. I can provide those after the break. Mr. Witness, we mentioned someone named Taval a few minutes ago. Could you tell us what kind of person he was, to your knowledge? Ma Tavallo. Réponse. Answer. Physiquement, il était ni grand ni petit, donc de taille moyenne. He was shortish. Mais sa tête faisait peur. Il était cruel. But his looks were very frightening. He was cruel. Can you tell us what you mean when you say that he was cruel? Il parlait fort et je travaillais loin de lui et je l'ai vu parler avec beaucoup de gestuels et à voix haute. Et quand les ouvriers travaillaient, qui construisaient le pont, lui plaisait pas. Il a pris des pelles et autres, lancé des pelles pour exprimer son mécontentement. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il était méchant. In so doing, and that is why I say that he was cruel and wicked. Did you ever hear him referred to as the chief executioner or something similar to that? Bourreau en chef. Ba ani bơ nhe tau ket kaich do la nou knong ang krom ang de slap. Méchant. As a matter of fact, he was wicked. Parce que là-bas, il y a eu des morts. Because et donc, people died tout, at that work site. Les morts de là-bas étaient sous sa responsabilité. And donc, il a donné des ordres à tout le monde là-bas. There were under his responsibility, and he was the one issuing instructions to everyone working there. Did you know of him having an aide or assistant who was in charge of punishing people who did not work as much as they were supposed to? Answer. Sous sa supervision, il y avait camarade Johan, qui était appelé Tai Johan. Donc en son absence, Johan prenait le relais. In his absence, Johan supervised in his place. And do you know anything about this person, Tai Yuan, being involved in punishing workers who were considered lazy or who didn't complete their tasks? Je n'ai pas bien compris la question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît. I haven't quite understood your question. Can you please repeat it? Voilà, je n'ai pas suivi la question. Sure, and
perhaps to save time, I'll read you something from a statement you gave to DC CAM. This is the same document as previously. The English page number is 0072-6113. Khmer is 005-7732. And French is 0074-3242. So you were asked about Taval, and you said he was referred to as the direct chief executioner. But then you continued, and you said he was the chief of all. There were others close to him. For example, his right-hand aide was in charge of punishing and persecuting those who looked lazy and slow in labor work. For instance, when a task is assigned and the person in charge did it carelessly, he or she would be pulled out like a cabbage and taken to be killed that easy. So can you tell us, first of all, who the person was you were speaking of, and second of all, what you meant when you said that a person would be pulled out like a cabbage? Disiez que la personne a été retirée comme si c'était un chou. Pour la réponse. Answer. Si un membre donné était paresseux, if a given worker, il était retiré, mais non, ce qui n'était pas le cas de mon unité, comme je vous l'ai dit, Taval était le chef de bureau, il était le responsable de cet endroit. Donc, si ses subordonnés étaient des auteurs de crimes, c'était Taval qui devait prendre la responsabilité. Taval had to assume responsibility for such crimes. For instance, quelqu'un d'autre, if he ordered anyone to kill someone, la responsabilité. He had to assume responsibility for such acts. Mr. President, I note the time. I don't know whether this is the correct time for the break or not. Je ne sais pas si c'est peut-être là le moment approprié pour la pause. Le président, merci. President, thank you. Le moment est venu d'observer une pause. L'audience reprendra à 15h. The proceedings will resume veillez, at veillez au confort témoin pendant la pause. Court officer, please see to the veuillez necessary le arrangements for the witness. Dans le prétoire à 3 heures, avant 3 heures. Back to the courtroom before 3 p.m.